Le disque d'une sirène comporte 12 trous et tourne à la vitesse de 500 tours par minute. Calcule la fréquence du son émis et détermine la longueur d'onde du mouvement vibratoire dans l'air. Ce qui est donné, c'est d'abord le nombre de trous que nous appelons petit n, il est égal à 12. La vitesse de rotation du disque est de 500 tours par minute, c'est-à-dire 500 tours par 60 secondes, ou encore 25 tours par 3 secondes. La vitesse de propagation du son dans l'air vaut 340 mètres par seconde. Ce qui est demandé ici, c'est la fréquence de l'onde émise ainsi que sa longueur d'onde. La fréquence s'exprime en hertz et la longueur d'onde en mètres. Pour trouver ces grandeurs, nous allons appliquer ces deux formules-là. Commençons par la fréquence. La fréquence est de 25 tours par 3 secondes fois les 12 trous. Donc, la fréquence se calcule par 25 tiers fois 12, c'est-à-dire qu'elle est de 100 Hz. Voilà déjà la première réponse finale. Maintenant, nous allons encore déterminer la longueur d'onde qui se trouve dans cette formule-là. Donc, nous partons de la formule V est égal à lambda sur T, dont nous déduisons que lambda est égal à V fois T. Le T est donné par cette formule-là. Puisque F est égal à 1 sur T, le T doit être égal à 1 sur F. Et dans cette formule-là, nous pouvons remplacer le T par 1 sur F, et c'est ainsi que nous trouvons que la longueur d'onde lambda est égale à V fois 1 sur F, c'est-à-dire V sur F. Dans cette égalité-là, nous remplaçons le V par 340 mètres par seconde, et le F par 100 Hz. Et c'est ainsi que nous trouvons que la longueur d'onde est égale à 3,4 mètres.